Sigurd, un problème? Nous deux, nous allons voir Tona. Ivar et Uber resteront ici. Mieux vaut que Tona pense que nous sommes seuls. En vérité, je crois que personne ne pourrait empêcher Ivar de lui fendre le crâne. Il n'a pas arrêté de remâcher ça en venant ici. Bien. On y va? Ça ne sera pas long. Une petite fortune pour qui enverra Tona chez elle. Je risque de te prendre au mot. D'après ce que j'ai entendu à Repton, les frères avaient un arrangement avec Tona. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mercenaire.
Ube avait besoin de ses hommes et de ses informations. Mais la situation a mal tourné depuis que Borgred a été vaincu. À ma connaissance, Tona a un faible pour deux choses. L'argent et les vies bien raides. Ce qui n'incite pas à la loyauté. Si on ne peut lui faire confiance, à quoi sert-elle? C'est à nous de le découvrir. On peut peut-être la satisfaire. Et dans le cas contraire? Ivar t'a dit d'apporter ta hache. Et les voilà, comme prévu. Si elle a l'air de t'apprécier, continue à parler. Elle est plus ton type, je crois. Non, non. Ce défi est mort. Bon, prudence avant tout. Sigurd, qu'est-ce qui t'amène à mon campement par cette belle journée? Je pense que tu le sais déjà. Oui. L'odeur de cendre vous a trahi. Mais pendant que nous discutons, le roi Burgred court toujours. Et qui es-tu, ma petite colombe? Tu veux venir t'installer sur mes genoux? Ce n'est pas la raison de ma venue. Ce que vous voulez, c'est savoir où est Burgred. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'en ai la moindre idée? Nous avons trouvé des lettres, des contrats. Vous êtes en affaire, tous les deux. Que veux-tu? Le roi paie cher mes services. J'aimerais pouvoir en dire autant de ces deux crétins de Ragnarsson. C'est moi que tu as en face de toi. Et je veux que tu me dises ce que tu sais. Dis ton prix. Très bien. J'ai besoin d'une autre vache. Tu n'as qu'à la payer. Quand Ceowulf sera sur le trône, tu crois qu'il oubliera que tu t'es mis sur son chemin? Que tu as douté de lui? Diminue ton prix de moitié et peut-être que son premier ordre ne sera pas de réclamer ta tête. Tu as du cran, toi? Vas-y, parle. Burgred m'a payé pour éloigner les Ragnarsson de deux lieux, l'Edsest et le fort de Templebro. Il s'est montré généreux. À votre place, c'est là que je chercherai. Et c'est tout ce que je sais. Rien de plus, rien de moins. Alors comme on dit, bon vent. L'Edsest et le fort de Templebro. Tu connais ces endroits? Non, mais les frères sûrement. Je vais aller leur poser la question. Ne reste pas trop longtemps ici. On a un roi à rattraper. Fais demi-tour, Danoise. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas.
Peux-tu me rappeler quelle est ton activité ? Pour ce qui est de tes troupes, tu t'adresses à moi. Je veille à ce qu'elles soient prêtes, et je les maintiens en forme. Tu dois construire du casernement. Sinon ces pillards vont se ramollir, et ce n'est pas ce que nous voulons. À une prochaine fois. Prends soin de toi. Allez, au fil des flots. Impossible de hisser la voile ici. Utilisez la voile dans ces eaux. Qu'est-ce qui se passe ?